Aujourd'hui, on parle d'une version d'une console de Nintendo très peu connue du grand public, la Wii Mini. Non, ça, tout le monde s'en fout. On parle plutôt de la Panasonic Q. Pour votre plaisir et bien sûr pour le nôtre, l'équipe de Jib a tout fait pour mettre la main sur cette rarissime console. Ciao Miyamoto, j'aime beaucoup Nintendo. Puis-je s'il vous plaît avoir un Panasonic Q? Ça n'a pas marché. Mais bon, on a trouvé d'autres moyens. Et de la part de l'expéditeur, on a eu droit à une lettre et de l'origami. Merci. Wow. Juste avant de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte, voici un petit moment d'histoire. C'est le 13 décembre 2001 que la Q a vu le jour. C'est une version plus évoluée du GameCube, développée par Panasonic, qui avait pour but de rivaliser avec la PlayStation 2 autant au niveau design que fonctionnalité. En effet, la Q permet de lire des DVD et des MP3, ce que le GameCube de base ne peut pas faire. Malheureusement, la console n'a pas été commercialisée en dehors du Japon et elle n'a été produite qu'à 100 000 exemplaires. En 2003, Panasonic a cessé la production de la console vu son échec commercial, qui est en grande partie attribué au fait qu'on pouvait se procurer un GameCube et un lecteur DVD pour un prix inférieur à la Q. Alors la voici, la fameuse Panasonic Q. Alors comparé à un GameCube, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus élégant dans un salon avec son devant en miroir. En plus, quand on l'allume, wow! Un écran ici qui indique tout. Vous avez les options sur le dessus pour les DVD. C'est les mêmes cartes mémoire, les mêmes manettes, tout est 100% compatible. La seule différence, c'est le Game Boy Advance Player. Il y en avait un unique pour lui, évidemment, parce que la base n'est pas faite pareil, il est plus gros. Et je suis pas sûr que je pourrais mettre la main dessus, parce que ça va être extrêmement rare. Alors voilà, c'était le Panasonic Q. S'il y a des collectionneurs parmi vous qui désirent mettre la main dessus, je vous conseille de vous dépêcher parce qu'il y en a très peu qui ont été produits dans le monde et leur prix ne cesse d'augmenter. Donc si vous voulez le faire, c'est maintenant. Merci de nous écouter et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Jub. Sur ce, bonne journée!